Si on pouvait discuter un peu de la santé. La santé de la planète, la santé de nous tous. Comment s'en sortir avec une bonne santé? Faut bien réaliser que quand on regarde la nature et la puissance qu'elle a, c'est de toujours faire en sorte que tout est régénéré, tout se fait d'instant en instant et ça ne s'arrête jamais. Et je crois que en nous, il y a la même chose. Nous traversons des périodes aujourd'hui où les hommes et les femmes deviennent de plus en plus vulnérables aux maladies, aux virus et tout ça, parce que nous ne sommes pas protégés. Nous n'avons pas notre système immunitaire blindé. Il est un peu à la traîne. On ne l'a pas fortifié, on n'a pas mis dans ce système-là quelque chose qui puisse le rendre fort. Alors qu'est-ce qui le rend si vulnérable? Quand nous avons nos peurs, nos angoisses, que quelque chose va nous arriver, ou juste tout simplement l'angoisse de la vie, l'angoisse du lendemain, l'angoisse des choses qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas, et la tristesse et la solitude et tout ça. Et bien tout ça crée en nous justement la possibilité une porte ouverte à toutes les choses qui ne sont pas toi. Parce que, en fait, le système immunitaire, c'est un système qui rejette les choses qui ne sont pas de lui. En fait, il y a ton corps avec tout ce qu'il constitue, et il y a des choses qui arrivent dedans, et il va faire en sorte qu'il y aura une défense, en fait, et il va rejeter ce qui n'est pas, appartient pas à la famille du corps. Et cette façon de faire a besoin de toute l'énergie du corps. Et le corps, s'il est atténué par la dépression, par la tristesse, par tout un tas de choses que nous faisons tous les jours dans notre vie, et les émotions qu'on a qui tentent à nous mettre à bas, et bien toute cette faculté d'être fort, ça me nuise. Et c'est ça le problème avec aujourd'hui le coronavirus, c'est que nous avons laissé depuis tant d'années, tant de temps, la porte ouverte à beaucoup de choses qui nous attaquent, parce que nous n'avons pas cette joie de vivre. Parce que tout le système est fait en sorte que tout ce que nous voulons nous crée en nous de l'instabilité, du désarroi, de la peur de manquer. Et tout ça empêche le système immunitaire d'être à son optimum. La joie de vivre, la joie d'être vrai, c'est la substance qui fait que les fibres de notre être, tous les fibres de notre être soient au maximum de son intelligence, de ses capacités. Mais cette joie de vivre, comment vient-elle aujourd'hui si nous sommes dans un monde où la joie est remplacée par le plaisir? Et ce plaisir doit être compris pour ce que c'est éphémère et que ça nous laissera toujours insatisfaits. Et cette insatisfaction, justement, crée en nous ce vide, cette vulnérabilité. Donc, je crois que je ne connais pas beaucoup sur la médecine, sur le système immunitaire et tout ça, comment ça marche exactement, mais vous savez, chacun d'entre nous peut le comprendre.
que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre santé, de notre propre esprit qui a besoin de toute cette vitalité. Nous sommes responsables de ça. Et comment nous allons faire si nous ne prenons pas la chose en main? Si ce sont nos pensées, si ce sont tous les événements qui arrivent, que l'on subit, et qu'on n'est pas capable de prendre en main la situation par soi-même et attendre que quelqu'un viendra nous sauver, eh bien, tout ce qui va se passer sera un problème pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Parce que de plus en plus, en faisant ça, justement, ça réveille dans cette humanité, dans ce monde, des choses qui sont dissonantes, qui n'ont pas de sens. Et nous les faisons, et ça fait que les choses sont de manière absurde. Nous détruisons les choses, nous détruisons la forêt par notre façon de vivre, par notre façon d'insatisfaire, d'être insatisfait, nous voulons toujours plus. Et toujours plus de quoi? De plaisir. Et parce que le plaisir, apparemment, ça nous donne un sens de réconfort à notre attitude sans joie, en fait. Et comme nous ne savons pas où trouver la joie, comme nous ne savons pas que la joie, c'est quelque chose qui est déjà là, et c'est quelque chose qui se manifeste à travers toi. Mais tu ne sais pas que cette chose qui se manifeste là doit être laissée être lui-même. C'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé dans notre éducation, dans nos mœurs. On nous a dit comment tu devrais vivre. Et en général, on te parle jamais de joie de vivre, ni à l'école, ni dans l'éducation, ni dans nulle part. On t'apprend comment avoir surtout du plaisir. Et ce plaisir, justement, ne constitue pas tout l'élément qui fait que tout son système soit dans toute sa capacité. Et ton système a besoin de cette joie de vivre pour pouvoir faire des choses qui sont créatives autour de toi. La réalité, c'est que nous avons plus la faculté d'obéir à un ordre établi qui nous explique comment on doit exister. En fait, on doit vivre selon les critères de ce monde. Et tout le monde s'y plie et on s'habitue à vivre ainsi, avec une certaine médiocrité, et où tout le monde dit ça c'est normal, puisque tout le monde est propulsé par ce mode de vie stéréotypé, où il y a une volonté collective qui nous pousse tous dans le même sens. Mais toute cette faculté de vivre avec les habitudes et les trains-trains, crée justement tout l'environnement dans lequel où on vit, qui est néfaste pour nous. Alors que quand l'esprit est libre de tout ça, il a cette joie de ne plus avoir à chercher à être satisfait. Parce que la satisfaction, en fait, c'est quelque chose qui contribue, qui donne contribution à la pensée pour aller chercher quelque chose qui va nous satisfaire. Et la satisfaction est toujours en demande de plus de satisfaction. Et la pensée ne s'arrête jamais. À partir du moment où il y a pensée, à partir du moment où il y a vouloir, l'esprit se dégénère. L'esprit se dégénère exponentiellement dans la dépression, dans le manque, dans l'insatisfaction.
Mais à partir du moment où le centre d'intérêt est enrayé du vouloir, de la demande constante et implacable, impitoyable, et un engouement extraordinaire à vouloir exister à travers ce que nous pouvons acquérir, et bien tout ça, on voit aujourd'hui, chacun d'entre nous, on peut regarder le monde tel qu'il est, et bien nous en sommes là aujourd'hui, dans cette situation où les choses ne vont pas être ordonnées, être dans la créativité. Nous sommes les seuls qui pouvons le faire arriver. Si nous avons compris que toute cette course vers la satisfaction d'un soi personnel n'a aucun sens. Et pour faire ça, il faut qu'on réalise que nous faisons des choses qui sont à l'encontre de notre bien-être. Donc le bien-être, la santé, elle vient de la joie de vivre. Et la joie de vivre, elle vient de l'abandon de ce qu'on aimerait avoir et d'accepter la vie telle qu'elle est. Je vous souhaite belle journée. À bientôt.